Lord, my Father, there is no shadow of turning with you. Thou changest not, thy compassion they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. Though thou hast been, thy compassion they fail not. As thou hast been, thou forever. J'aimerais rapidement conclure ce que nous avons commencé. And give a sketch of what, of the third part. Et donner un aperçu de la troisième partie. In John 10, dans Jean 10, verse 11 verset, to verse 13. Du verset 11 au verset 13. Jean 10, verset 11 à 13. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Amen. Amen. In that passage, dans ce passage, there is the cost of being a shepherd. Il y a le coût d'être un berger. Sacrifice. Le sacrifice. In caring for the sheep, dans le fait de prendre soin des brebis, there is a cost attached. Il y a un coût attaché à cela. And it may lead right to the sacrifice of your life. Et cela peut même conduire jusqu'au sacrifice de ta vie. I know. Je sais. That anybody who cannot share his food can never give his life. Que quelqu'un qui ne peut pas partager sa nourriture ne peut jamais donner sa vie. Is it your life that you will give for the sheep when you cannot give them your food? Est-ce ta vie que tu vas donner à tes brebis, pour tes brebis alors que tu ne peux pas leur donner ta nourriture? Every pastor, tout pasteur with small pot, avec des petites marmites in his house, dans sa maison will never have a big church. N'aura jamais une grande église. If the pots in your house are small, si les marmites dans ta maison sont petites, if your wife, si ton épouse is stingy, est chiche, you cannot be a pastor. Tu ne peux pas être un pasteur. Your wife has eliminated you from being a pastor. Ton épouse t'a éliminé du fait d'être pasteur. The generosity of a man's wife, la générosité de l'épouse d'un homme determines the extent of his leadership. Détermine la portée, le degré de son leadership. If your husband keeps men with words, si ton mari garde les hommes avec les paroles, the wife must learn to keep men with food. Son épouse doit apprendre à garder les hommes par la nourriture, avec la nourriture. And there's a woman in the Bible. Il y a une femme dans la Bible. There are many sisters who don't apply to be married. Il y a plusieurs sœurs qui n'appliquent pas, qui ne déposent pas leur demande pour être mariées. Normalement, very noble women, les femmes très nobles, highly placed, très bien placées, and full of worth, et pleines de valeur, can write applications to be married, peuvent écrire une demande pour être mariées. Micah, the daughter of Saul, did so. Micah, la fille de Saül, l'avait fait.
She wrote an application rapidly to the father that that young man, David. Elle avait écrit rapidement une demande et l'avait soumise à son père, disant que ce jeune homme, David, je me porte volontaire. I am a candidate. Hallelujah. Amen. She wrote an application. Elle avait écrit sa demande. If you are very ashamed to apply, si tu as très honte pour demander, it's because you don't have intrinsic worth. C'est parce que tu n'as pas une valeur intrinsèque. A woman should have so much worth. Une femme devrait avoir tellement de valeur. That whether she applies or the man applies, it means nothing. Que qu'elle applique, qu'elle demande ou qu'elle ne ou que l'homme demande, que cela ne signifie rien. And there was another woman who applied. Et il y avait une autre femme qui avait déposé sa demande. Abigail. Abigail. She was already married to Nabal. Elle était déjà mariée à Nabal. The man had money. Cet homme-là avait de l'argent. But the man also had foolishness and wickedness. Mais aussi cet homme avait la stupidité et la méchanceté. So Abigail told David, donc Abigail avait dit à David, when you will become king, quand tu deviendras roi, please use your prerogative to deliver me. S'il te plaît, utilise tes prérogatives, sers-toi de tes prérogatives pour me délivrer. And make me yours. Et fais de moi tienne. But when I come, when I become your wife, mais quand je deviendrai ton épouse, my job, mon travail will be to wash the feet of your servants. Sera de laver les pieds de tes serviteurs. I will serve your co-workers. Je vais servir tes co-ouvriers. She had an assigned task even before getting married. Elle avait une tâche assignée avant même de se marier. Hallelujah. Amen. You sister, vous, sœur, do you know how to marry a king? Savez-vous comment épouser un roi? Abigail knew how to marry a king. Abigail savait comment épouser un roi. She found a place through service in the life of a king. Elle avait trouvé une place à travers le service dans la vie du roi. For many sisters, pour plusieurs sœurs, the only place they have in the life of a leader is the bed. La seule place qu'elles ont dans la vie d'un leader, d'un dirigeant, c'est le lit. That is their permanent post. C'est leur poste permanent. They have no other place. Elles n'ont pas d'autre place. In his life, dans sa vie, in his ministry, dans son ministère. If they could learn from Abigail, si elles pouvaient apprendre d'Abigail, they will make their home, elles feront de leur maison a place of rest, un lieu de repos. If they had the wisdom of Abigail, si elles avaient la sagesse d'Abigail, they will provide a mortar of bonding, pour souder les couvriers à son mari avec beaucoup de nourriture. With much food. Vrai ou faux? True or false? Hallelujah. Amen. Les femmes ciment. Women cement. Hallelujah. Amen. That is the wisdom of Abigail. Ça c'est la sagesse d'Abigail. But some women, mais certaines femmes, when God was distributing wisdom, quand Dieu distribuait la sagesse, they came late. Elles sont arrivées en retard. They took very little. Elles en ont pris trop peu. Because other women had come and collected all the wisdom. Parce que les autres femmes étaient déjà arrivées, rassemblées, ramassées toute la sagesse. Even if you came late, même si tu es venu arriver en retard, when God was distributing wisdom, quand Dieu partageait la sagesse, the book of James invites you to go and ask for additional share from the Lord Jesus. Le livre de Jacques t'invite à aller demander une part à Abigail. Davantage d'Abigail. It costs. Ça coûte. To have sheep. D'avoir les brebis. It costs. Ça coûte. It costs ça, your home. Ça coûte ton foyer. It costs your marriage. Ça coûte ton mariage. It costs your children. Ça coûte tes enfants. It costs your money. Ça coûte ton argent. It costs your time. Ça coûte ton temps. It costs your future. Ça coûte ton avenir. Your life, your programs, ta vie, tes programmes are altered and reconfigured by the pastoral ministry. Sont modifiés et reconfigurés par le ministère pastoral. We have some fantastic pastors in Yaoundé. Nous avions des pasteurs fantastiques à Yaoundé. In our ministry. Dans notre ministère. One of them was Professor Mbafor. L'un d'entre eux était le professeur Mbafor. He was a fantastic pastor. C'était un pasteur fantastique.
He had many research opportunities. Il avait beaucoup d'opportunités de recherche. But for close to 20 years, mais pendant près de 20 ans, he did not leave the city of Yaoundé. Il n'a pas quitté la ville de Yaoundé. Because the pastor stays with his flock. Parce que le pasteur reste avec son troupeau. Another fabulous pastor. Un autre pasteur fabuleux. Was Thomas Ejeke. C'était Thomas Ejeke. Unfortunately, he is not still in the ministry because of other problems. Malheureusement, il n'est plus dans le ministère à cause d'autres problèmes. But he was a fabulous pastor. Mais c'était un pasteur fabuleux. He was elected into the Cameroon Society of Mathematicians. Il était élu dans la société camerounaise de mathématiciens. He graduated from the polytechnic as the valedictorian. Il était sorti de l'école polytechnique comme major. And he was given a scholarship by a reputed university in France for the doctorate. Et il avait reçu une bourse d'une université de renom en France pour faire les recherches de doctorat. He refused. Il a refusé. He sent one of his disciples. Il avait envoyé l'un de ses disciples. He offered, transferred the scholarship to one of his own disciples. Il avait passé sa bourse à l'un de ses disciples. Whom he had made into a disciple when he was in the polytechnic. Qu'il avait formé comme disciple quand il était à l'école polytechnique. And he stayed back. Il est resté. Because he had about 40 brethren. Parce qu'il avait environ 40 frères. 40 brethren had value in his eyes. 40 frères avaient à ses yeux de la valeur. More than a career as one of Cameroon's foremost mathematicians. Plus qu'une carrière en tant que l'un des mathématiciens de renom au Cameroun. 40 brethren. 40 frères had more value to him avaient plus de valeur pour lui than a doctorate in engineering. Qu'un doctorat en ingénierie. That should judge you. Cela devrait te juger. And that's why you don't have anybody. Et c'est pour ça que tu n'as personne. We had another fabulous, pastor. Nous avions un autre pasteur fabuleux. And he's one of the vice presidents, Brad Joe Bisson. Et il est l'un des vice-présidents, le frère Joe Bisson. He was given a job in Switzerland with the United Nations. Il avait obtenu un emploi en Suisse pour travailler avec les Nations Unies. With a comprehensive undertaking. For his wife, children, and their education. Avec une prise en charge complète de son épouse, de ses enfants, leur éducation. And any salary he needs. Et n'importe quel salaire dont il a besoin et qu'il demandait. He turned it down. Il a rejeté cela. Because he had 30 brethren. Parce qu'il avait 30 frères. 30 frères. That is what this our ministry is made of. C'est de ça que notre ministère-ci est constitué. It is made of careers that were sacrificed for you. Cela est constitué de carrières qui ont été sacrifiées pour vous. Joe Bisson was the disciple maker of Tala. Le frère Joe Bisson était le faiseur de disciples du frère Tala. One of your missionaries. L'un de vos missionnaires. That's what it cost him. C'est ce que cela lui a coûté. Maybe his name will never be blazoned across the sky. Peut-être son nom ne sera jamais rayonnant dans ce monde. Mais he's a pastor. Il est un pasteur. The pastoral ministry. Le ministère pastoral demands commitment. Exige l'engagement. Sacrifice. Le sacrifice. The pastoral ministry. Le ministère pastoral demands sacrifice. Exige le sacrifice. Demands commitment. Exige l'engagement. We have known great pastors. Nous avons connu de grands pasteurs. Who trampled their worldly opportunities underfoot as nothing. Qui ont piétiné leurs opportunités dans le monde comme n'étant rien. In order that afin que they may build the brethren.
et puisse bâtir les frères. And it wasn't because their church was already 2000. Et ce n'était pas parce que leur église avait déjà 2000. But the sheep. Mais les brebis. For the pastor. Pour le pasteur. Even one sheep. Même une brebis. There were 99 that safely lay in the shelter of the fold. But one was out on the fields away, far off from the shepherd's fold, away to the mountain. Turns wild and bare away on the lonely days that rode away on the lonely days that rode. But Lord, thou hast here thy 99. Are they not enough for thee? But the shepherd made answer to say, I go for my one lost sheep. And though the road be rough and wild, I go to the desert to seek my own. I go to the desert to seek my sheep. Amen. I go to look for my one sheep. Je pars à la recherche d'une de mes brebis. I go to look for the one sheep. Je pars à la recherche même d'une seule de mes brebis. I go even to the desert. Je vais même dans le désert to seek my own. Pour chercher ma brebis. These were songs we sang as Presbyterians. Ce sont des chants que nous chantions quand nous étions des presbytériens. That's the blessing of being a pastor's child. Ça, c'est la bénédiction d'être un enfant de pasteur. You grow up knowing many songs that mean nothing to you. Tu grandis connaissant plusieurs chants qui n'ont aucun sens pour toi. Until jusqu'à ce que Jesus captures your heart. Jusqu'à ce que Jésus capture ton cœur. There was a song we used to sing. Il y avait un chant que nous chantions. And the stanzas were very long. Et les couplets étaient très longs. And we always sang it in the night. Et nous chantions toujours la nuit. And I was always sleepy and bored. Et j'avais toujours sommeil pendant qu'on chantait. Many et j'étais ennuyé plusieurs fois. I've asked myself, je me demandais, why was I yawning so much? Pourquoi est-ce que je bâillais tant? The song is so beautiful. Ce chant est si beau. When you are an unbeliever, you are an unbeliever. Quand tu es un non-croyant, tu es un non-croyant. Even if you are born in church, même si tu es né à l'église, dans l'église. Born and fed and nurtured in church. Né et nourri dans l'église. Today, aujourd'hui, I even wish that the standards were longer. J'aurais souhaité que les couplets fussent plus longs. Le ministère pastoral coûte. Don't be a pastor unless you are ready to give your life for your flock. Ne sois pas un pasteur tant que tu n'es pas prêt à donner ta vie pour ton troupeau. Because the pastoral ministry costs. Parce que le ministère pastoral coûte. It can cost right to your life. Ça peut coûter jusqu'à ta vie. We have had fabulous pastors. Nous avons eu des pasteurs fabuleux. Le ministère pastoral va te coûter. Qui m'a compris? In time, en temps, in emotion, en émotion, in money, en argent, in your family life, dans ta vie familiale. In the reconfiguration of your program. Dans la reconfiguration de tes programmes. In everything. Dans toutes choses. I am the good shepherd. Je suis le bon berger. The good shepherd lays down his life
for the sheep. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. A shepherd does not want the sheep to fit into his program. He serves them. Un berger ne veut pas que les brebis s'insèrent, n'amène pas les brebis à s'insérer dans son programme. Il les sert à s'ajuster dans son programme. Lui, il les sert. They cost him. Elle lui coûte. My brother Zach taught us a lot. Le frère Zach nous a beaucoup enseigné. He said, il a dit, in Christian leadership, dans le leadership chrétien, the people weigh on the leader. Les gens pèsent sur le dirigeant. This is the leader. Voici le dirigeant. These are people. Ici, ce sont les gens. They weigh on him. Et il pèse sur lui. The more he grows in leadership, plus il grandit dans le leadership, this one, the leadership is small. Et le leadership de celui-ci est petit. À ce niveau, son leadership est petit. When it is here, quand c'est à ce niveau, the leadership has grown. Son leadership a grandi. When it is here, quand ça atteint ici, it has grown. Ça a grandi. When it is here, quand c'est ici, it has grown much more. Ça a grandi bien plus. As the leadership grows, à mesure que son leadership grandit, the people weigh on him. Les gens, ces gens pèsent sur lui. But worldly leadership, mais le leadership mondain c'est comme des pyramides. The leader is up here. Le dirigeant est là, en he haut. Weighs on the people. Il pèse sur les gens. When they are few, quand ils sont peu, he weighs on them. Il pèse sur eux. When they grow, quand ils grandissent, he weighs much on them. Il pèse davantage sur eux. When they increase, quand ils grandissent, his advantages and privileges increase. Ses avantages et ses privilèges augmentent. When he has very many people, quand il a tellement de gens, beaucoup, beaucoup de gens, he is somebody to be envied. C'est quelqu'un qu'on devrait envier. This is worldly leadership. Ça, c'est le leadership mondain. That's what many people in our ministry are looking for. Ça, c'est ce que plusieurs personnes dans notre ministère recherchent. But this is spiritual leadership. Mais ça, c'est le leadership spirituel. In spiritual leadership, dans le leadership spirituel, the burden weighs on you. Le fardeau pèse sur toi. It is time consuming. Ça consomme du temps. And it demands a lot of character. Et ça exige beaucoup de caractère. You have to endure. Il te faut supporter. All the demons in the people that come to you. Tous les démons qui sont dans les gens qui viennent à toi. I don't mean spiritual demons that are spirits. I mean they are bad character. Et je ne parle pas des démons qui sont des esprits. Je veux dire leur mauvais caractère. Somebody comes to Koumé. Quelqu'un vient à Koumé. Hey, frère Théodore, je dois rentrer demain. Est-ce que je peux te voir? Brother Théodore, I have to go back tomorrow. Hein? When shall I see you? Je les regarde. I look at them. Même dans le monde. Even in the world. C'est du mauvais caractère. That is bad character. Il ne sait pas qu'il vient de me dire que ce qu'il veut dire n'est pas important. He does not know that what that he just told me that what he wants to tell me is not important. Parce que comme le Seigneur Jésus dit. Because as the Lord Jesus says. Vous m'appelez Seigneur et Maître. You call me Lord and Master. Et c'est ce que je suis. And that's what I am. Mais je suis parmi vous comme celui qui sert. But he has stands in your midst as the one serving. Ça c'est notre model. That's our model. Can't you do a mettre tout le monde à sa place? When you have to put anybody in his shoes, everybody in his shoes, tu ne seras plus un dirigeant selon Jésus. You will no longer be a leader according to Jesus. Le dirigeant selon Jésus ne met pas les gens à leur place. Leaders according to Jesus don't put people in their shoes. Donc tu vas avaler des démons jusqu'à ce que tu sois rassasié. So you will swallow demons until you are full.
The good shepherd, le bon berger, lays down his life for the sheep, donne sa vie pour ses brebis. Time, le temps, money, l'argent, emotions, les émotions, programs, les programmes, a lot of inner restraint, beaucoup de retenue intérieure, a lot, beaucoup. And as the people increase, et à mesure que le nombre de gens augmente, the pressures increase, les pressions augmentent, the cost increase, le coût augmente. And you are sentenced, you are like the Apostle Paul says, we are like people on whom a sentence of death has been passed. Et comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes comme des gens qui sont sur qui l'arrêt de mort a été prononcé. The good shepherd, le bon berger, lays down his life for the sheep, donne sa vie pour ses brebis. Those who are doing, those who are professional, ceux qui sont des professionnels, they will not risk their lives, ils ne vont pas risquer leur vie, they will not risk their families, ils ne vont pas risquer leur famille, they will not risk their children, ils ne vont pas risquer leurs enfants. Pastor Lieber, le pasteur Lieber wrote about the cost of being a pastor, a écrit au sujet du coût d'être un pasteur. There was one pastor who was called by God, il y a un pasteur qui était appelé par Dieu, to go and serve among the hippies, pour aller servir parmi les hippies. So he went among, he rented a house, donc il avait loué une maison, in the shantytown area, dans les bidonvilles, and started walking among the hippies. Et il a commencé à travailler parmi les hippies. Then he brought some of the hippies home, et puis il a ramené à la maison certains de ces hippies, for rehabilitation, pour les réhabiliter. And since he was always going, et puisqu'il était constamment en voyage, the wife got more and more sex staff. Donc, sa femme avait de moins en moins de temps avec lui. And one of the hippies, et l'un des hippies, when giving his testimony, en rendant son témoignage, parlait de comment ils avaient souvent les expériences sexuelles among themselves, parmi eux. One day, un jour, the man came and found a hippie experimenting with his wife. Cet homme-là est revenu trouver un hippie en train d'avoir une expérience sexuelle avec son épouse. He wept. Il a pleuré. He forgave his wife. Il a pardonné à son épouse. He forgave the hippie. Il a pardonné au hippie. Those are the job risks of being called to serve the hippie. Ça, ce sont les risques de métier d'avoir été appelé à servir les hippies. J'avais admiré le pasteur parce que moi, je savais que si c'est moi, je t'aide même à faire tes bagages. I admired the pastor because I knew that if I were the one, I would even help you to make your... He was a great man. C'était un grand, grand homme. He had accepted a call that cost him even his honor as a man. Il avait accepté un appel qui lui a coûté même son honneur, sa dignité d'homme. That's a pastor. Ça, c'est un pasteur. A pastor who will forgive 10,000 times. Un pasteur va pardonner 10 000 fois. John 10, verse 14 to and 15. Jean chapitre 10, verset 14 et 15. Jean chapitre 10, versets 14 et 15. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Amen. The pastor has a dynamic relationship with the sheep. Le pasteur a une relation dynamique avec ses brebis. And he has a personal relationship with the sheep.
Et il a une relation personnelle avec ses brebis. And has an intimate relationship with the sheep. Et il a une relation intime avec ses brebis. The pastoral ministry summarizes as a relationship. Le ministère pastoral se résume en une relation. It is the penetration of the sheep. C'est la pénétration des brebis. And it is allowing the sheep to penetrate you. Et c'est laisser les brebis te pénétrer. Même avant d'aller pour être avec le Père, he took time, il a pris du temps to look for his people. Pour chercher ces gens. He became a cook. Il est devenu un cuisinier. He even restored them with fish. Il les a même restaurés avec du poisson and bread. Et du pain. Food is a powerful element and sacrament of restoration. La nourriture est un élément puissant et un puissant sacrement de restauration. I have lost none of those you gave me. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. We have many priorities. Nous avons plusieurs priorités. He had the great priority of going to be a high priest. Il avait la grande priorité d'aller être le souverain sacrificateur. To bring his blood into the Holy of Holies. Pour apporter, amener son sang dans le Saint des Saints. But he delayed it. Mais il a retardé cela. To look for his people. Pour chercher ses gens. He appeared to James. Il est apparu à Jacques. He appeared to Peter. Il est apparu à Pierre. He appeared to the 12. Il est apparu aux 12. He went and looked for them again from their fishing. Il est encore allé les chercher à leur lieu de pêche. He made bread for them. Il leur a préparé du pain. And made roasted fish for them. Il a braisé du poisson pour eux. Ate with them again. À nouveau, il a mangé avec eux. Before going to the Holy of Holies. Avant d'aller dans le Saint des Saints. Before going to offer the blood of propitiation. Avant d'aller offrir le sang de la propitiation. Before going to receive the gift of the Holy Spirit. Avant d'aller recevoir le don du Saint-Esprit. If he went to receive the gift of the Holy Spirit. S'il était allé prendre recevoir le don du Saint-Esprit. He would pour it on who? Il devait le déverser sur qui? If he has lost all that he had. S'il avait perdu tout ce qu'il avait. If he would not keep the people. S'il n'avait pas garder les gens. He will pour the Spirit on. Et il allait déverser l'esprit sur qui? In a crisis period during my leadership. Dans une période de crise pendant mon leadership. Brazak taught me a lesson. Le frère Zach m'avait enseigné une leçon. He told me, il m'a dit. Son, il m'a dit fils. Many people don't know themselves. Plusieurs personnes ne se connaissent pas. How many people may not understand even what you are looking for? Et plusieurs personnes pourraient ne même pas comprendre ce que tu recherches. You must use human kindness. Il te faut utiliser, te servir de la gentillesse, de la bonté humaine to keep people. Pour garder les gens. So that the Holy Spirit, so that God can have time to answer prayer and the Holy Spirit may have time to transform him. Afin que Dieu puisse avoir le temps d'exaucer les prières et que le Saint-Esprit ait du temps pour transformer les hommes. Human love cannot change men. L'amour humain ne peut pas changer les gens. They use human love to keep them there. Mais until the Spirit changes them. Sers-toi de l'amour humain pour les maintenir jusqu'à ce que l'Esprit les transforme. Il m'a dit, c'est ce que tu peux faire. That's what the pastor does. Ça, c'est ce que le pasteur fait. He uses human kindness. Il se sert de la bonté humaine. He begs. Il supplie. Until men are visited by the eternal spirit. Answer to prayer. Jusqu'à ce que les hommes soient visités par l'Esprit éternel en réponse à la prière. Only the power of the Holy Spirit can change men. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit pour changer les hommes. But human kindness keeps men. Mais la bonté humaine maintient les hommes. Until the Lord visits from us from on high. Jusqu'à ce que le Seigneur nous rende visite d'en haut. Until the Spirit is poured upon us from on high. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit rempli, soit déversé sur nous d'en haut.
The pastor knows the power of human kindness. Le pasteur connaît la puissance de la bonté humaine. And the Lord himself is the supreme example. Et le Seigneur lui-même est l'exemple suprême. Fish connections. Les connexions par le poisson. Bread connections. Les connexions par le pain. Les connexions du pain. Bread maintenance. Fish maintenance. La maintenance du pain, la maintenance du poisson. Et down to earth connecting with men. Discouraged. Là de se connecter aux hommes qui sont déconnectés de manière terre à terre pratique. Découragé. Qui sont découragés de manière pratique. I want three people to come and thank the Lord Jesus. Je veux que trois personnes viennent remercier le Seigneur Jésus. For being a supreme demonstration of the pastor. Du fait d'être un pasteur. Nous te bénissons pour ton exemple. Tu as laissé une vie qui nous instruit. Tu as laissé les traces. Tu as laissé des actes. Tu as laissé des paroles. Nous te bénissons même pour cette leçon que ton serviteur a donnée à son fils. Qu'il faut parfois se servir de la gentillesse humaine pour garder les gens dans la bergerie afin que le Saint-Esprit ait le temps de travailler dans leur cœur. Nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que cette leçon soit imprimée dans nos vies. Qu'elle nous transforme. Qu'elle renverse nos raisonnements. Nos méthodes qui paraissent sages mais qui échouent toujours. Seigneur, merci parce que tu nous instruis de la sorte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons pour le modèle de ta vie. En tant que pasteur, tu es le pasteur, le suprême pasteur. Merci de nous avoir communiqué tout le travail, tout le conseil pastoral à travers ta propre vie. Nous savons que tu attends de nous des grandes choses. Tu attends que nous soyons des pasteurs selon ton cœur. Nous te disons merci parce que ton but sera atteint. Reçois la gloire et la louange et l'élévation pour le modèle que tu constitues pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.